Mag. Votre magazine ultra gourmand. Salut Lauriane. Salut Geoffroy. Alors qu'est-ce qu'on va cuisiner aujourd'hui? On va préparer un filet de cabillaud en papillote translucide, petits légumes et chips de courgettes. Ça te va? C'est parti. Allez go. Bon Lauriane, on va commencer par les légumes. C'est simple, on va faire une poêle de légumes, tu vois, ça va être bon pour nous. Ok. On va commencer à couper tous nos légumes. Bon voilà, on a tous nos légumes. Mm-hmm. On va devoir les cuire. Par contre, on va faire attention dans l'ordre où on va les cuire. Un peu d'huile d'olive. Je commence à mettre les aubergines. On va mettre le poivron avec direct. Okay. Et le céleri. Par contre, on va aussi saler et poivrer. Bon, ce qu'on veut, c'est d'un aussi garder les légumes assez croquants. Et en plus de ça, on va les recuire en papillote. Donc forcément, on n'a pas besoin de trop les cuire. Alors, champignons. Champignons. Tac, tac. Là, on fait juste sauter vite fait. Là, vas-y, fais-moi un petit sautage comme ça. Là. Vas-y, plus haut. Ouais, oh, pas sûr. Toi. Super. On va rajouter un petit peu de vin blanc. Et on va mettre un tout petit peu de miel. On s'occupe de nos papillotes maintenant? C'est parti. Je fais la première, tu fais l'autre. Ok. Allez, et au four, four, 8 minutes. C'est ça. Bon, en attendant, pour l'accompagner, nous on va préparer des petites chips. On va faire des chips de courgettes. On va couper des rondelles comme ceci. Tu vois, pas trop épaisses. Ça marche. On va casser un œuf. L'autre, on va mettre la farine, de la chapelure de pain et du parmesan. Farine, œuf, chapelure. Et on trempe ça dans l'huile bien chaude. Clac, on balance dedans. Alors l'huile pas trop chaude, sinon ça va brûler d'un coup. 170-180 degrés, pardon. Hop, on laisse bien frire. On les débarrassera sur un papier absorbant. Mm-hmm. Clac, terminados. Alors, on a nos chips. Et on a le poisson qui est cuit. Hop, on le récupère. Et ce qui est bien, c'est que le papier n'est même pas chaud. Tu peux le prendre main, avec les doigts, c'est bon. Hop. Et comme ça, on peut le disposer dans son assiette. Hop, on va venir pouvoir poser nos chips dessus. Et à table. Parfait.